¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, amigos. Buenas noches. Y su servidora, Alejandra López. Bien, comenzamos. Inicio. Comenzó. Docteur, vous dites que les heures de la passion doivent se faire avec la même intention que celle de Jésus, c'est-à-dire je fais la même chose que lui. Oui, oui, ce n'est pas un souvenir de la passion, ce n'est pas le fait d'approfondir ou d'apprendre ce qui s'est passé durant la passion. C'est plutôt un manuel, un guide pour faire ce qu'a fait Jésus. Regarde ce que je fais pour que tu le fasses avec moi. Et d'autres fois, il dit, regarde ce que je fais pour que tu le fasses toi. Donc, le même acte qu'est en train de faire Jésus, maintenant, nous le faisons nous-mêmes. Alors, on a du mal à comprendre cela de manière littérale parce qu'on est très fixé sur les paroles et on pense que l'on doit être crucifié comme Jésus. Non, ce n'est pas comme ça que vont les choses, mais c'est l'intention de tout faire avec les intentions même de Jésus, celles qu'il avait durant sa passion, et prendre ainsi la passion de Jésus comme un vêtement. C'est-à-dire, par exemple, Jésus couronné d'épines. Eh bien, je vais mettre sur ma tête la couronne d'épines, et qu'est-ce que ça veut dire? Tuer mes pensées. Toutes les pensées qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut, ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous commande, c'est ça que la couronne d'épines va tuer. Quand je me revais de la couronne d'épines, eh bien, cette couronne d'épines est comme une aide pour éliminer ces mauvaises pensées. Je me revais de la flagellation de Jésus. Eh bien, quand je fais des œuvres contraires à celles que Jésus désire pour moi, c'est là où je vais me revêtir de cette flagellation. C'est là où je vais me revêtir de ces chairs qui sont arrachées, voyez. C'est là où je mets les actes de Jésus en moi pour lutter contre tout ce qui est contre Dieu. Et ainsi de suite pour tout le reste. Qu'est-ce qu'il faut faire quand nous avons une douleur très forte? Est-ce qu'on peut prendre un médicament après l'avoir offert à Jésus? Bon, là, chacun fait ce qu'il veut. Chacun décide de faire ce qu'il veut. Si la personne veut l'offrir ou supporter cette douleur jusqu'au point où elle n'en peut plus, eh bien, c'est bien reçu par Jésus aussi, hein, comme une offrande. Alors, maintenant, prendre quelque chose pour soulager cette douleur, cela dépend aussi de la personne. Si la personne ne peut plus tolérer la douleur, bien sûr, il n'y a pas de mal à prendre quelque chose pour calmer la douleur. Quelquefois, ce qui serait mal, entre guillemets, ça serait d'abord offrir et puis après renoncer parce qu'il y a eu un acte et après il y a eu le refus de persévérer dans cet acte. Mais ce n'est pas mal, mais cela certainement causera une certaine douleur à Jésus, une certaine tristesse à Jésus. Il le dit dans des paroles très simples. Il dit... Beaucoup sont ceux qui promettent de grandes choses, mais au moment de l'épreuve, ils font marche arrière. Ceux qui reculent. Des lâches, oui. Bon. D'une manière ou d'une autre, il veut parler de tout ce que nous faisons, tout ce que nous promettons avec l'intention de le faire
Combien de fois, par exemple, nous avons voulu vivre dans la divine volonté tous les jours, et au milieu de... Et combien de fois nous avons reculé, nous avons péché. Tous les jours, beaucoup, beaucoup de fois. Hein. Bon, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps. Hein. Et là, nous reculons. Nous renonçons à ce que nous avons promis, à ce que nous avons décidé de notre engagement avec Jésus. C'est ça. Docteur, ce n'est pas une contradiction de souffrir pour nous et pour les autres pécheurs et en même temps rester dans cette immutabilité et demeurer dans la joie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer Dieu. Dieu en lui a toute la joie, tout le bonheur du monde, la paix, il a tous ses dons, etc. Et quand il nous partage sa vie, il nous partage tous ses dons, bien sûr, la paix, la joie, le bonheur, l'harmonie, etc., à l'intérieur de nous. La partie extérieure, qui est la nôtre, peut souffrir de tout ce qu'on peut imaginer, mais la partie intérieure, notre cœur profond, demeure dans la joie et dans la paix. Voyez, la preuve de cela, nous l'avons en Jésus. Jésus, durant sa passion, avec tout ce qu'il a souffert, n'a jamais perdu la paix. Il ne s'est jamais opposé. Il n'a jamais refusé, bien sûr. Il a souffert beaucoup, oui, d'une manière inimaginable, mais jamais, jamais, il a perdu cette intériorité et tous les attributs divins qui demeuraient en lui. Je ne sais pas si je suis assez claire. Pareil pour la Vierge Marie, bien sûr. Elle souffrait avec joie. Oui, on va enlever cette expression « souffrir avec joie ». C'est un peu gênant. C'est ça qui prête à confusion. Elle souffrait, oui, mais à l'intérieur d'elle, elle avait cette paix que lui donnait la vie divine, parce qu'elle savait que cette souffrance allait être un grand bien pour tous ses enfants. Oui, nous aussi, nos souffrances peuvent faire du bien aux autres, bien sûr. Jésus définit la souffrance en disant « Ne regarde pas ce que tu vas souffrir ou ce que tu souffres, mais regarde le bien que tu vas pouvoir sortir de cette souffrance, le bien que cette souffrance va générer. » Si la créature unit ses souffrances à celles de Jésus, cette personne, à ce moment-là, coopère à la rédemption de Jésus. Hein? Donc, il faut toujours regarder le bien que nous allons donner à toutes les âmes. On en revient à la question précédente. Si on est dans la douleur... Oui. Ça dépend de chacun. Il n'y a pas de réponse universelle. J'ai mal, je peux l'offrir. Voilà, je ne veux pas l'offrir, je ne m'en sens pas capable, je prends quelque chose pour m'enlever la douleur, oui. Mais ce que je dirais, nous allons nous mesurer, mesurer jusqu'à quel point on peut faire quelque chose pour le Seigneur. On peut faire des promesses, des offrandes, en sachant très bien que nous ne pourrons pas persévérer. Si je ne peux pas supporter la douleur, si je n'ai pas la force de porter cette douleur, il vaut mieux offrir le peu que je peux faire. Hein? Voyez. Bien souvent, aussi, la famille nous influence. On peut avoir l'intention d'offrir une douleur, une souffrance,
Mais ceux qui sont autour de nous nous découragent. Là, tu es en train de souffrir. Pourquoi tu ne fais pas ceci ou cela? Oui, mais la décision reste toujours personnelle. On ne peut pas ignorer sa responsabilité. Celui qui renonce à la promesse, c'est moi. Ça n'est pas ma famille. Parlons d'autre chose. Vivre une trahison entre époux, le monde va nous dire, ne t'inquiète pas, tu as toujours la possibilité de trouver quelqu'un d'autre, arrête de souffrir. Alors là, cette promesse, elle va dépendre un petit peu de la fermeté de la personne qui a fait ce choix, malgré que le monde puisse l'influencer pour décider autre chose. Ce qui se passe ici, c'est une grande ignorance sur ce qu'est le sacrement. Nous n'avons aucune idée de ce que signifie mariage. On n'a pas. On n'a pas idée non plus de la finalité du mariage. Et ce qui est mauvais, c'est que nous avons tout centré sur le monde, sur la vie de ce monde, sur le bonheur de ce couple, etc. Comment être bien. On ne pense pas de cette vie après le monde, de cette vie après la vie, parce que nous ne croyons pas en elle. Nous ne croyons pas en la vie éternelle. Si nous croyons vraiment en cette vie éternelle que nous avons, si vraiment nous pensons que ce monde est une épreuve pour voir si nous sommes capables, aptes à cette vie future, à ce moment-là, nous comprendrons mieux les joies, les tristesses de ce monde. Ce sont des éléments qui vont prouver si nous sommes aptes ou pas à la vie éternelle. Si je me marie pour être uniquement heureux sur terre, entre guillemets, c'est-à-dire faire tout ce que j'ai envie, que mon conjoint me donne tous les petits plaisirs dans le mariage et de satisfaire tous mes projets, que tous mes désirs soient réalisés, si c'est ça, je suis dans l'erreur. Ce n'est pas possible. On a des idées tellement absurdes sur le mariage qu'on prend le mariage comme l'union de deux personnes qui vont s'unir pour se respecter, pour respecter l'idée de l'un, l'idée de l'autre. Mais ce n'est pas vrai. Le mariage, ce n'est pas ça. C'est deux personnes qui s'unissent pour élaborer une nouvelle vie, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière d'agir. C'est ça, le mariage. Mais chacun veut continuer avec les habitudes qu'il avait dans le passé. Et on nous a tellement mis ça dans la tête que nous pensons que c'est ça, la réalité du mariage. C'est pour cette raison que le jour où tu te maries, peu de temps après, tu fais face à des choses auxquelles tu n'étais pas habitué dans ta vie. Par exemple, prendre ton tube de dentifrice de cette manière alors que ton mari le fait d'une autre manière. Et là, on va commencer à être en désaccord. Pourquoi n'y a-t-il pas de dialogue pour essayer de trouver une solution? Pourquoi ne pas s'unir dans une nouvelle manière de faire? Créer une mini-société où nous ne sommes plus deux, mais une seule chair. Nous serons une seule chair. Mais qui comprend tout cela? Personne. On vit dans un monde égoïste où chacun veut avoir raison, dans un monde où l'orgueil règne et chacun veut faire ce qu'il a envie, bien sûr, mais ça ne marche pas. Il y a des disputes, il y a des batailles, il y a la guerre,
ce sont des situations qui peuvent arriver à être dangereuses. Et tout cela vient de cet orgueil de l'être humain. Qu'est-ce qu'on va faire? Divorcer? Non. Porter ma croix? L'erreur, c'est d'avoir choisi un partenaire sans discernement, mais pour l'apparence qui me convenait et d'autres raisons, mais pas avec une raison profonde. Nous sommes des êtres rationnels et nous devons mesurer toute chose à partir de la raison. Et cette raison nous aide à choisir un mari, une épouse qui est semblable à moi. Et si je suis croyant, que ce soit quelqu'un qui soit aussi en relation avec Dieu, comme moi je suis en relation avec Dieu. Alors, tout deviendrait beaucoup plus harmonieux. Mais pourquoi on se marie aujourd'hui? Si on se marie pour d'autres raisons, ça ne marchera pas et nous échouerons parce que tu n'auras pas le foyer que tu imaginais. Voilà. Il y a une question ici. Est-ce que c'est bien de demander à Dieu de nous protéger des mauvaises choses? Contre le malin, oui. Vivre dans la divine volonté, et nous allons le voir dans le temps avec les lectures, l'ennemi, l'autre, ne peut plus s'approcher. Il peut de moins en moins s'approcher d'une créature qui vit dans la divine volonté. La divine volonté, par elle-même, va sortir, détruire les mauvaises choses, les mauvaises tendances et tout ce qui est nocif dans l'être humain. La divine volonté va écraser toutes ces choses. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté ne sera pas sujette aux attaques de l'ennemi extérieur et de l'ennemi intérieur que nous avons en nous. Les passions, les fragilités vont être annulées et fortifiées par le moyen de la divine volonté. Et cette divine volonté va devenir la terreur de l'ennemi pour qu'il ne s'approche plus et n'essaye plus de tenter l'âme. Vous voyez, donc en conclusion, l'âme qui vit dans la divine volonté n'a pas de tentation, n'a pas d'inclination au mal. Demander à Dieu qui nous libère du mal, c'est bien, du point de vue à partir de la volonté humaine, oui, c'est normal qu'il nous fortifie pour qu'il nous aide. Mais une fois dans la divine volonté, tout change. C'est-à-dire qu'il faut croire qu'on est supérieur aux autres, ou plutôt protégé par la divinité qui est présentée dans la divine volonté. Je ne sais pas si cela répond à la question. Docteur, si je refais les actes de mon passé ou ceux des frères et sœurs, est-ce que je change l'histoire? Et à quoi ça sert à Dieu de refaire les actes? À quoi sert à Dieu que nous refaisions les actes? Ici, il faut parler de deux choses. D'abord, la gloire et l'honneur que Dieu devrait recevoir de chaque créature. Si chaque créature ne donne pas ce qu'elle devrait donner, l'âme qui vit dans la divine volonté a la possibilité de prendre les actes qu'auraient dû faire tous les autres et de les donner à Dieu avec l'amour divin, les donner à Dieu avec la gloire qu'il mérite au nom de toute la famille humaine ou au nom de X ou X personnes. Donc, Dieu recevrait ce que les autres ne veulent pas lui donner. Ça, il faut que ce soit clair.
Dieu, c'est le parfait acte de réparation. Pour la créature, prendre les actes des créatures et les refaire, mais les refaire en fonction de l'acte passé. Par exemple, aujourd'hui, je vais refaire l'acte d'Alexandra qui, il y a un an, commettait telle ou telle chose. Ça, ce n'est pas un film d'Hollywood où, on remonte, où la machine remonte dans le temps. Je ne vais pas la changer un an avant et maintenant elle va être différente. Non, ça c'est du cinéma. Ça va être une aide pour le changement qu'elle va faire. Et le résultat, qu'il soit bon ou nul, ça reste sa décision, ça reste la décision de la personne, voyez. On ne peut pas imposer et changer l'histoire d'une personne, ça c'est impossible. Si Alexandro était vicieux, par exemple, et que nous refaisions ses actes, tous les actes depuis le moment où il a commencé dans le vice, il ne pourrait pas être aujourd'hui sans le vice. On a refait ses actes et on a donné à Dieu la gloire qu'il mérite. Mais Alexandro continuerait dans son vice. Voyez. Et ces actes que nous avons faits vont l'influencer pour essayer de le convertir et de toucher son cœur. Et si demain il se convertit, eh bien, il le fera grâce aux actes de Jésus, aux actes de Marie, aux actes de Louisa et nos actes à nous que nous avons faits pour l'influencer et le fortifier dans sa décision de sortir du vice. Mais changer la vie de quelqu'un pour qu'aujourd'hui cette personne change en refaisant son passé, pour que cette personne ne soit plus vicieuse, par exemple, non, ça c'est du film. Comment pouvons-nous vivre continuellement dans la divine volonté? Ah mon Dieu! Comment arrive-t-on à vivre dans la divine volonté? D'abord, il faut commencer par le début, la connaissance. La connaissance, qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, comment ça va se passer. Ensuite, en deux, l'intention. L'intention est fondamentale. Jésus nous dit que l'intention est l'âme de l'action. Donc, tous nos actes vont sortir, vont jaillir d'une intention continue dans la divine volonté, d'une intention qui ne se laisse pas dévier par les événements du monde, tout ce qui se passe autour de nous, voyez. Et c'est pour cette raison qu'il y a un martyr. C'est là qu'il y a vraiment un martyr d'attention continue. Dans la divine volonté, il faut un martyr continu d'attention. Avoir toujours dans l'esprit cette fermeté que nous devons agir dans la divine volonté. Et ce martyr d'attention va nous acheminer vers une intention continue de vivre dans la divine volonté. Comment faisons-nous? Il n'y a pas de magie ici, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de recette de cuisine. C'est une recette de vie, de volonté, nous maintenir, demeurer dans ce que nous avons décidé de faire avec notre vie. Demeurez en moi, dit Jésus. Adam n'a pas pu revenir parce qu'il n'y avait pas encore la rédemption. Et nous, grâce à la rédemption, Dieu nous permet d'entrer et de sortir. Oui, c'est ça. Adam n'avait pas de rédempteur. Il n'avait pas la possibilité de récupérer cette vie qu'il avait perdue.
Pourquoi? Parce que pour récupérer cette vie, il devait payer une dette. La dette était une dette divine. Voilà. Adam n'a pas pu récupérer cette dette. Donc, il devait récupérer cette dette de vie divine, mais il ne l'avait pas. Personne ne pouvait lui donner. Jusqu'au moment où Jésus est venu, lui qui a la vie divine, et cette vie divine, c'est cette vie divine qui va payer pour toutes les dettes. Les dettes d'Adam, mais aussi toutes les nôtres. Et maintenant que nous avons ce Rédempteur, nous pouvons être, sortir et entrer de nouveau dans la mesure où il y a la disposition et une vraie repentance, bien sûr. Quand on dit qu'il faut se vider de tout, est-ce que ça signifie que toutes mes pensées, toutes mes actions doivent être en Dieu sans tenir compte de la famille et de tout ce qui m'entoure? C'est un petit peu présenter les choses comme si nous devions devenir comme un mur. Peu importe mes amis, peu importe ma famille, c'est voir Jésus. Voir Jésus dans tout ce que nous faisons. Par exemple, avec la famille, au lieu d'avoir cette idée d'aimer son épouse, son époux, la personne de son épouse, on doit comprendre que dans cette personne est Jésus. Je dois aimer Jésus en elle. Je dois aimer Jésus comme s'il était mon épouse. Je dois aimer Jésus dans mes amis. Je dois aimer Jésus dans mes collègues de travail, dans les œuvres que je fais. Toutes les œuvres que je fais sociales, je dois avoir l'intention que mes œuvres prennent la même attitude divine que celle de Jésus. Je vais agir, bien sûr, mais je vais mettre l'intention de Jésus, l'œuvre de Jésus dans mon œuvre. Je vais agir avec ma famille, oui, mais avec l'intention que puisse courir dans mon intention toutes les intentions de Jésus. Vous voyez, peu importe ma famille, il s'agit d'unifier en lui toutes choses. Voir Jésus aussi dans nos ennemis, dans les délinquants, dans ceux qui nous font du mal, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus dans l'Évangile? Que nous devons aimer nos ennemis, bien sûr. Il n'est pas venu pour les justes, hein, il est venu pour les pécheurs. Tous, nous pensons que nous devons aimer, tolérer, accepter ceux qui nous sont proches ou avec lesquels nous avons une relation, ceux avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous nous entendons bien. Eh bien non, nous devons aimer toute la famille humaine et peut-être aimer davantage encore nos ennemis parce qu'ils sont aussi enfants de Dieu et pour eux, Jésus a souffert. Il a même souffert plus pour eux que pour les justes. Et Jésus souffre. Si ces gens se perdent, si j'aime Jésus, pour cet amour que j'ai pour Jésus, je dois aimer ces personnes. Tous ceux qui lui occasionnent une souffrance, je dois les aimer pour lui et réparer Jésus. En aimant nos ennemis, on fait du bien à cette personne et on influence sa vie pour qu'elle puisse se convertir. Ce n'est pas une hérésie, docteur, de penser que nous devons être des dieux? Oui, totalement, c'est une hérésie. Si quelqu'un pense qu'il doit être Dieu, il est complètement en dehors de la réalité et de la religion.
Ici, la différence, ce n'est pas que nous voulons être des dieux. C'est Dieu qui veut nous transformer et faire que nous soyons comme lui. Mais des hommes dieux, pas des dieux esprits. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Nous n'allons pas être image de Dieu le Père. Nous allons être image de Dieu le Fils dans sa nature divine. C'est un don. Et dans sa nature humaine que nous possédons. Donc, ce n'est pas moi qui veux être Dieu, c'est Dieu qui veut me faire participer à sa nature divine pour que je sois comme son Fils Jésus, homme Dieu. Voilà, ici il n'y a aucun orgueil, au contraire. Quelquefois nous refusons cet appel à cause de la responsabilité qui en est la conséquence. Parce que pour arriver à vivre cela et entrer dans cette vocation, il faut renoncer à tout ce que nous sommes. Oui, mais les gens sont très superficiels. Pardon si je le dis de cette manière. Très superficiels. Et généralement, ils ne pensent pas à fond les choses. Ça sort comme ça, et il n'y a pas cette intention de penser un peu ce qui est dit. S'ils connaissaient les écrits de Louisa, ça serait différent. C'est pour cela qu'il parle un peu pour ne rien dire, et ça rentre par une oreille, et ça sort par l'autre. S'il connaissait vraiment les écrits, il réagirait différemment. S'il vous plaît, méditez, approfondissez ce qui est écrit. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui se passe avec les âmes condamnées quand elles arrivent en enfer? Le Seigneur sort d'elles et elles restent comme créatures. Le Christ ne vit plus en elle comme il vivait durant leur temps sur la terre. Ce qui se passe, c'est que ces créatures sortent volontairement de tout le bien que Dieu contient. Le bien, c'est Dieu. Tant que nous vivons en ce monde, Dieu nous partage de bonne manière ou de mauvaise manière tous ses biens. Même comme un mendiant, puisqu'il a tout créé pour ses enfants. Mais les méchants, il a toujours l'espoir de pouvoir les reconquérir. Et si cet homme, à la fin de sa vie, reste obstiné dans cette attitude, alors là, oui, elle n'a plus la possibilité de recevoir les biens de Dieu. Elle ne sort pas de Dieu. On ne peut pas sortir de Dieu. Elle continue en Dieu, mais sous ce rayon de la justice. Et la justice, c'est donner à chacun ce qu'il mérite, ce qu'il désire. Si l'âme désire de ne pas être dans le bien, elle n'aura aucun des biens que Dieu lui propose. L'enfer, c'est ça. L'enfer, c'est l'absence totale de bien. C'est difficile à imaginer parce que on ne connaît pas très bien les biens spirituels que Dieu nous donne. On connaît l'amour, mais l'amour un peu tordu. On connaît la paix, mais la paix intermittente. On connaît le bonheur, mais un bonheur qui est très humain et très matériel. Donc, on ne connaît pas les biens de Dieu. Nous sommes d'une certaine manière en dehors de la réalité, voyez. Quand on arrive à ce moment du passage, tout va disparaître. Tout ce que nous pensions avoir, tout ce que nous pensions être la paix, la joie, les biens matériels, les biens de la terre, tout. Et les biens spirituels que nous connaissons, l'amour,
Mais si on nous enlève l'amour, qu'est-ce qu'il reste? Le contraire de l'amour, la haine. Et donc, on va vivre dans un monde de haine continue. C'est inimaginable. Un monde de haine entre nous, terrifiant, avec tous les vices, tous les maux, tout ce que nous connaissons et tout ce qui est contraire au bien de Dieu. Existe. C'est ça l'enfer. Quelle est la question? Je m'en souviens plus. Jésus sort d'eux? Non. C'est impossible qu'ils vivent en eux. Si le Christ est dans la créature, c'est dans le ciel, dans la béatitude, ou sur la terre, dans la souffrance. Mais en enfer, c'est l'absence du bien absolu qui est justement Jésus. On a fini, docteur. Eh bien, les amis, merci beaucoup pour avoir été avec nous. De Paraguay, Argentina, Colombia, California, Aguascalientes, Chile, Uruguay, Cuernavaca, Australia, El Salvador, Ecuador, Texas, Florida, Jalisco, Toluca, Metepec, Zacatecas, Tamaulipas y España.